Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai une petite journée prévue en ville aujourd'hui avec des petites choses, donc voilà, je voulais vous emmener pour vous montrer tout ça. Je commence le vlog assez tard, là il est 11h30 et d'ailleurs on doit partir parce qu'on a réservé un resto ce midi. Donc aujourd'hui je passe la journée avec mes parents qui ont été en vacances pendant un petit moment, qui repartent en vacances maintenant, donc voilà, ils voulaient profiter d'Inès pendant ces petits quelques jours sur Annecy. On va manger dans ma crêperie favorite que je vous ai déjà montré des millions de fois sur Instagram, donc ça sera pas un grand changement. Et puis ensuite on doit se balader en ville, mais donc voilà, je vous emmène avec moi. Je ne vous montre pas la tenue du jour parce qu'en fait ça fait l'objet d'une vidéo complète qui normalement doit déjà être en ligne sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Parce que je pense les poster dans cet intervalle là, je pense que je vais vous filmer le, alors j'appelle ça lookbook, 5 looks, 5 jours, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais je pense la poster avant ce vlog, donc je vous renvoie vers cette vidéo si vous l'avez loupée. Et donc voilà, c'est le look du jour numéro 3 du coup que vous avez vu dans cette vidéo. J'ai fait du shopping pour Quentin et pas pour moi. Et sur les pieds, j'ai fait du semi-permanent, j'ai repris à peu près la même couleur, une sorte de corail. Voilà, je viens de rentrer chez moi, il est 18h, donc on a passé une très grande partie de la journée en ville. J'ai passé un super moment avec mes parents, on a mangé donc comme vous avez vu dans la petite crêperie qu'on aime beaucoup. Je vous mets toutes les références de ce qu'on a fait sous la vidéo si vous voulez, si vous êtes de passage à Annecy ou si vous voulez des bonnes adresses. Et donc c'était la première fois que Inès, enfin c'est une des premières fois qu'Inès mange vraiment comme nous au restaurant, et donc c'était trop bien. Elle avait sa petite crêpe, elle était hyper contente, elle a mangé plus de la moitié, peut-être bien les deux tiers. Je pensais qu'au goûter elle allait rien manger, puis en fait non. Donc après on a fait un peu de shopping, comme vous avez vu, des vêtements pour Quentin, parce que c'était les soldes et il a pas l'occasion de faire les boutiques trop souvent, donc je suis allée pour lui, puis bah il échangera si ça lui plaît pas. Des petits bouquins pour Inès aussi dans une librairie dans laquelle moi j'allais quand j'étais petite, et donc la gérante m'a reconnue, elle se souvenait de mon frère et de moi, enfin bref c'était trop mignon, donc elle était toute émue de voir Inès. Et donc là on vient de rentrer à la maison et je suis allée chercher mon panier Potager City. Donc c'est un principe que je connais, auquel je faisais appel quand j'étais sur Lyon notamment, mais c'est vrai que depuis que je suis ici je l'avais plus fait. Donc ça vous permet d'avoir des paniers de produits frais, donc fruits, légumes, il y a des œufs, il peut y avoir des jus de fruits aussi je crois, dans des points relais pas très loin de chez vous, donc ce ne sont que des produits frais, des produits locaux. Donc là je viens d'aller chercher mon petit panier et je suis hyper contente. Donc ce panier là m'a été offert par Potager City, mais je pense que j'y referai, enfin c'est certain, je pense que j'y ferai appel à nouveau parce que j'aime vraiment beaucoup le principe d'avoir des produits de saison et surtout pas loin de chez soi, parce que moi je vais pas au marché ou autre chose comme ça, donc c'est top. Donc on a une salade qui est ici qu'il faut que je nettoie, on a eu des haricots rouges, des haricots verts, des œufs. Alors ça je suis hyper contente d'avoir des œufs. On a eu des pêches mais aussi des pêches plates qui sont là, on a eu un melon, deux citrons verts, j'adore le citron vert donc je suis trop contente. Ça, le reste des fruits je les avais déjà. Courgettes, on a eu une courgette ronde et le reste ce sont des bébés courgettes comme ça qui sont trop mignonnes. Des tomates un peu variété ancienne et j'ai oublié quelque chose, ah bah oui, des abricots, mais je les ai déjà rangés au frigo, ils sont juste là, voilà. Sachant qu'ils sont pas tous là, j'en ai donné aussi à mes parents. Donc je suis super contente du principe et donc c'est livré juste à côté de chez moi. Il y a une date et une journée dans la semaine pour aller les récupérer. Et je pense que j'y ferai à nouveau appel parce que je suis vraiment très emballée. Et puis sinon j'ai reçu enfin mon colis Fnac. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que Quentin m'a fait la grande surprise de m'offrir la Nintendo Switch. Donc une console qui me faisait rêver. Et hier j'ai reçu le jeu et pas la console. Donc j'étais dégoûtée. C'est arrivé en deux cartons et donc aujourd'hui c'est la console. Enfin il n'y a pas de doute, ça peut être que la console. Donc je vais déballer ça tout de suite. Je suis trop contente. Faut que j'essaie de ne pas passer la soirée dessus. Mais je suis trop contente. Donc c'est la Nintendo Switch comme je vous disais, et je sais pas, elle me faisait rêver, je l'ai testée chez des copains ce week-end et j'avais trop envie de l'avoir.
C'était un achat pas du tout raisonnable, donc le fait qu'il me l'ait offerte, c'est trop trop sympa et je suis hyper contente. Et voilà, faut vraiment que j'essaie de pas y jouer toute la soirée. Faut que je me retienne, mais je suis trop heureuse. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici parce que du coup là ça va être l'heure du bain, ranger toutes les affaires, Quentin va pas tarder à rentrer du travail et puis ensuite dîner, etc. Donc j'espère que ce vlog vous a plu et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain. À très bientôt.